Bon matin YouTube, en ce moment on est en direct de la piste, le circuit e-car, parce qu'on a un track day privé, donc toute la journée on va avoir l'énorme privilège de rouler avec le drift car avec simplement 4 autres pilotes. Donc on a la piste à nous, on a un véhicule fraîchement wrappé comme vous avez pu voir dans le dernier vidéo. Bon, merci à Protection Bélier justement qui a wrappé l'auto qui est magnifique. C'est la deuxième fois que je roule avec le kit, la première fois l'auto était encore toute noire, j'ai inséré une photo ici. Puis oh my god, l'auto avait l'air incroyable, on track. J'ai hâte de voir les images que je vais capable de tourner aujourd'hui avec le véhicule jaune derrière moi. J'ai installé des pneus usagés. L'avantage justement d'aller drifter un véhicule qui n'a pas vraiment de horsepower, c'est que la dernière fois que je suis venu rouler, le 6 jours, les pneus qui étaient sur la voiture étaient usagés. J'ai réussi à les rouler toute la soirée, puis ils restent encore assez drêts. Je risque de les venir au courant de l'avant-midi, puis après ça, switcher vers mes autres tires. Mais des pneus used, ça offre quand même assez longtemps quand tu as du low horsepower. On a beau dire que la drift ça coûte cher, oui, je sais, ça coûte cher, les pneus ça coûte cher, mais il y a moyen de drifter sans un gros budget, puis avoir quand même hein, c'est fun. Anyway, j'ai installé GoPro, puis on va en track. Let's go, boys! Là, en ce moment, track day privé. Donc, rampez ça à nous. Let's go! Magnifique avoir on track, j'ai juste regardé les shots puis j'adore. Par contre, le downside d'avoir un véhicule jaune, à part qui est vraiment 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 obviously jaune, ça s'allie un peu plus vite. Je vais genre 3 laps, vous pouvez le voir ici un petit peu, à peine, pas vraiment. Change à max out by the way. Mais ouais, ça s'allie un petit peu plus vite. Dale, ça va on track!
ceux qui ne savent pas, Icar est une piste située au nord de Montréal, environ 25 minutes de Montréal, puis sur un ancien aéroport, donc c'est pour ça qu'on voit des avions ici et là, puis on drift sur le béton complètement plat. Je dois arrêter parce que mon pneu a décidé de décaloter quand même big time. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ouais, j'ai un peu overheat mon pneu, donc ce qui en reste. Là, Tommy avec Sierra est en plein développement pour faire les coilovers. Malheureusement, les braquettes du top ont brisé. C'est vraiment pas de la faute de Sierra, en fait. Comme je dis, c'est beaucoup de R&D. Ils ont bendé un petit peu, puis c'est pas vraiment track-proof right now. Donc, malheureusement, on repart sur le trailer. Il est arrivé ce trailer, mais il repart en ayant brûlé un set de pneus. Je sais pas filmer. Sorry. Mais au moins, si vous avez suivi les autres vidéos, vous l'avez vu rouler en masse au LZ World Tour. J'ai fait deux vidéos, littéralement, qu'on voit cette 6-7 en action. Fait allez voir. 3 ou 4 vidéos plus loin, vous allez le voir. Fun fact, le trailer est tellement serré puis la fenêtre est tellement petite. Quand Tommy doit ouvrir les portes ou dans le fond, ça sort dans son véhicule après le trailer, il passe par le coffre. C'est pas facile. C'est pas facile la vie, drifter en C7, être champion de Formule Drift. Mais faut rentrer par le coffre, j'allais dire le toit, faut rentrer par le coffre littéralement pour aller dans son véhicule. Il y a des choses plus dures que ça, mais c'est à chaque fois je fais une crise de claustrophobie là, fait que c'est le fun. Puis un gros défaut à être vidéaste, c'est que je suis capable de prendre des vidéos très très drastiques, mais je suis pas capable de me prendre en vidéo dans mon auto. Tu comprends pourquoi? Bref, j'ai passé les clés à Tommy, il va aller faire deux laps, puis je vais montrer les images à CC. Bon, j'ai un nouveau wrap, il est déjà abîmé ici. Je pense que ça va partir, c'est juste des tire marks. Fait que ouais, il y a comme une grosse patch qui a décaloté. Je fais en sorte, c'est plus tant safe à drifter, du moins ça avait juste abîmé le wrap plus qu'il faut. Alors j'échange mon dernier set, littéralement. Donc on change ça, au moins il reste pas beaucoup de temps. Au private track day, donc j'ai utilisé the most of it. Les boys sont déjà packés. Dale, il roule encore un petit peu. Mais il me reste deux pneus pour m'amuser. Fun avec la voiture aujourd'hui. Honnêtement, comme vous pouvez voir dans le parking, c'est rendu vide complètement. Les boys sont partis. Moi, j'ai fait quelques petits laps solo. J'ai eu bien du plaisir. J'adore l'auto en jaune. J'ai regardé mes shots encore une fois. Puis c'est magnifique on track. Donc, du gros fun. Puis si ça peut vous encourager à aller faire la drift, aller faire de la drift, appelez ça comme vous voulez. C'est tellement plaisant. C'est coûteux, oui, jusqu'à un certain point, c'est un petit peu moins coûteux qu'on le pense. Il y a moyen de, pas nécessairement tourner les coins ronds, mais il y a moyen de sauver l'argent à certains endroits. Si vous avez la chance de faire des tours en tant que passager ou conduire, faites-le, c'est amazing comme expérience. Grosse bouffée d'adrénaline, puis ça peut pas être mieux quand on a une journée prévue, quand on était littéralement 4 sur la piste. Fait qu'encore un gros merci à Dale pour le track day. Merci à Félix pour le rap. Merci à Simon pour le pare-brise. Merci à tout le monde, tous les commentateurs, Swap Shop. Tout le monde qui m'aide, encore et encore et encore, pour faire en sorte que je suis capable de drifter ce véhicule-là puis faire plein de choses sur YouTube. Big thanks, guys! Si ça fait une vidéo, like, share, mets un commentaire, écris ce que tu veux. Si tu veux voir plus de vidéos drift, écris-le. Si tu veux pas voir de vidéos drift, écris-le aussi. Écris un commentaire, ce que tu veux. Tu peux dire j'aime la couleur, tu peux dire que t'aimes pas la couleur. Moi, je l'adore. Véhicule look sick on track, sick on vidéo, clairement, comme vous venez de le voir. Et ouais, ça, j'ai expliqué déjà.
Ce véhicule, il est loin d'être terminé. Il va avoir des side arrows ici. C'est pour ça qu'il y a des pistes noires. On va modifier le tout, le kit complet, ou du moins ce que j'ai en vision en tête, va être très 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 cool. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un changement de couleur, mais c'est pas un livery. Le livery va s'en venir éventuellement. Donc je vous dis à la prochaine.